Alors, dans la psychologie cognitive dans laquelle en tout cas je fonctionne aujourd'hui, j'utilise beaucoup la théorie de Freud, de Jung, beaucoup de psychanalyse en passant par l'écoute et l'analyse du fonctionnement cognitif du patient. À côté de ça, je propose aussi des groupes de parole qui amènent mes patients à se rencontrer, pourquoi pas, autour d'une même thématique, s'accompagner, écouter les retours des autres patients sur la même thématique encore une fois. L'idée est vraiment de leur donner des solutions. Et la solution en général, elle est en eux, mais il faut ce petit élément déclencheur qui puisse les amener à mieux comprendre.